Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, où on va comparer de nouveau une nouvelle arme, une vidéo concernant deux armes. Voilà, on va y arriver. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, ça sera HVK vs Galil, et avant, bien évidemment, d'attaquer le sujet, défonce-moi cette barre de like, défonce-la-moi. Niveau du gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire, simple, sur combine, Razorback, voilà, Razorback. J'aime bien cet SMG, c'est pas beaucoup vu, et je surkiffe cet SMG. Enfin, bref, aujourd'hui, on se retrouve l'HVK vs la Galil. L'HVK qui est une arme pas trop jouée au multiplayer, ce qui est un peu dommage, parce que c'est une arme que j'apprécie énormément, et qui me fait rappeler beaucoup d'autres armes qui ont une bonne cadence de tir. Et cette arme là, bah, c'est vrai que c'est une arme sous-cotée, même si elle est très bien encore et même géniale en hardcore. C'est une des seules armes, on va dire, très polyvalente de ce jeu, contrairement à la Manoir, où on va dire que c'est plus basé sur le dégât que sur sa cadence de tir. Et par exemple la KN44, excusez-moi, c'est vrai qu'elle est aussi polyvalente, mais je trouve que la HVK un peu plus polyvalente. Donc ça risque d'être intéressant vs une Galil. Alors pourquoi j'ai pris la Galil? Parce que je trouve également que c'est une arme qui a une bonne cadence de tir. Donc je voulais vous faire HVK vs Galil. En plus, c'est une arme mythique de Call of Duty Black Ops 1. Donc voilà. Bon, si on résume à peu près le truc un peu en avance, la Galil étant une arme DLC sur Call of Duty Black Ops 3, pour éventuellement les personnes qui viennent de découvrir Call of Duty Black Ops 3, sait-on jamais, je serais jamais étonné de savoir certaines choses dans l'espace des commentaires. Enfin bref, une arme de DLC de Call of Duty Black Ops 3 qui vient de Call of Duty... une arme DLC de Call of Duty Black Ops 3 et une arme réelle de Call of Duty Black Ops 5 qui est directement mise dans le jeu, et c'est une arme que je surkiffe. C'est une des meilleures armes qui existent sur Call of Duty Black Ops 1, mais est-ce qu'elle est à la hauteur d'être la même chose sur Call of Duty Black Ops 3? Bon, selon moi, je vais tout de suite être direct. HVK vs Galil, de loin ou de moyenne distance, l'HVK défonce la Galil, hein, qu'on soit bien d'accord, elle le défonce. Mais, au corps à corps, la Galil est plus intéressante que l'HVK. Elle est beaucoup plus intéressante suite à sa cadence de tir qui est un poil plus élevée chez la Galil. Ensuite, le défaut, et ça c'est l'énorme défaut de cette arme qui est en l'occurrence la Galil, c'est son viseur. Ah mais son viseur, il est infâme les potes, le viseur de la Galil, mais c'est horrible. En fait, c'est exactement l'arme de base, hein. C'est exactement le viseur originel de la Galil sur Call of Duty Black Ops 1, mais le défaut étant que quand on essaye de jump avec, bah, le viseur, il part un peu partout et en fait, tu vois rien du tout. Tu vois même pas où est ton adversaire de base, s'il a sauté, si par hasard il s'est couché, etc. Et ça, c'est un énorme problème que cette arme a justement. Et il faut tout de suite mettre un viseur. Et t'es obligé de mettre un viseur avec cette arme-là. Et encore avec un viseur, l'arme bouge énormément, ce qui n'est pas du tout le cas de l'HVK. Justement, l'HVK qui est beaucoup plus polyvalente, qui ne bouge beaucoup, beaucoup moins. Niveau des dégâts, bon, c'est de nouveau l'HVK qui gagne. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. Moi, je trouve que je mets beaucoup moins de balles avec une HVK qu'avec une Galil. Et pourtant, j'ai la Galil, hein. Donc, les personnes qui diront, ah, t'as peut-être pas la Galil. Peut-être certains n'ont pas vu ma vidéo où j'ai toutes les armes DLC. Pour moi, clairement, la Galil est inférieure niveau dégâts que l'HVK. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Niveau du type de rechargement. Alors, niveau du rechargement, la Galil a un poil plus d'avance. Mais bon, un poil, hein, vraiment, on ressent pas une énorme différence face à l'HVK parce que les deux rechargent très vite. On va pas se le cacher, les deux rechargent très très vite. Donc, de nouveau, c'est une mini différence là-dessus. On va dire que la Galil gagne, ok, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, niveau de la portée mortelle des dégâts. Alors, la portée mortelle des dégâts, c'est la Galil qui va gagner. Alors c'est un peu bizarre de se dire, ah mais c'est la Galil qui va gagner, etc, etc. Ouais, elle met un peu moins de balles de loin que justement l'HVK, ce qui est la grande force en fait de l'HVK, c'est avoir un poil plus de dégâts que justement une portée mortelle, hein, ce qui est un peu bizarre. Enfin, de nouveau, comme je vous ai dit, quand j'aime bien faire les statistiques, c'est selon mon point de vue, non des statistiques, parce que je me fie mais pas du tout aux statistiques. Je préfère me fier avec l'expérience de jeu que j'ai sur Call of Duty. Et des fois, bah voilà, il y a des armes que je sens beaucoup plus que d'autres armes. Par exemple, je vais prendre l'arme typique, par exemple la Razorback, entre une VMP et une Razorback. Les gens vont dire, moi je préfère la VMP, etc. Bah moi, je te dis tout de suite, je préfère la Razorback.
Razorback. Je préfère, c'est un style de jeu. C'est comme ça, je trouve que la Razorback bouge beaucoup moins, etc. Et je la trouve plus intéressante justement qu'une VMP. Enfin bref, on va pas trop s'éloigner du sujet, etc. Donc, ensuite, concernant le recul, que ça bouge pas beaucoup, etc. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Mais comme je vous ai dit, le viseur étant très dégueulasse de la Galil, c'est immonde, hein, franchement les potes, c'est immonde. Donc franchement, HVK, rien à dire. Même le viseur de base de l'HVK, je le trouve pas dégueulasse, je le trouve bien. Même pour les personnes qui ont envie de jouer en hardcore avec l'HVK, bah, il est parfait. Moi, je le trouve parfait, donc n'hésitez pas, hein, franchement. Même limite, jouez même pas sans viseur réflexe, viseur Elo sur l'HVK. Jouez, si vous avez envie, avec un viseur normal, mais la Galil, vous êtes obligé, mettez un viseur réflexe ou un viseur Elo. Enfin bref, donc, si on doit résumer par rapport à ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir des largages de ravitaillement? Par exemple, tu as envie de faire un énorme pack opening pour obtenir la Galil, parce que tu es un fan de la Galil, etc. si j'étais toi, je ferais pas. Franchement, c'est une arme qui est sympathique, certes sympathique, mais qui en vaut pas la peine. Qui en vaut vraiment pas la peine. Contrairement à d'autres armes, en l'occurrence par exemple la M16, la K74U qui est un poil plus intéressant, il y a la Peacekeeper qui est 100 fois plus intéressant, etc. Et je trouvais ça un peu dommage en fait, comment dire, de gâcher une arme pareille. Ouais, moi franchement je trouve ça un peu dommage, je trouve que elle, c'est une des seules armes franchement que je pourrais dire qui mériterait un petit up. Vraiment un petit up niveau du dégât. Niveau de tout ce que tu veux, pour moi, elle mérite vraiment un petit up parce qu'elle pourrait être beaucoup plus intéressante et surtout, moi, en tant qu'ancien joueur de Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 1, je l'ai surkiffé, c'est un jeu que j'ai torché, que j'ai joué, mais avec des potes, on faisait des nuits blanches dessus, etc. Et la Galil, c'est une arme que j'aurais voulu voir sur Call of Duty Black Ops 3, tout aussi intéressante. Ou même, par exemple, la Hog, c'est vrai, par exemple, la Hog, ça serait trop stylé de voir une arme de Call of Duty Black Ops 1 comme la Hog aussi puissante que sur Call of Duty Black Ops 3. Ou sinon, la Commando. La Commando, ça serait juste le pur feu, les potes. Le pur feu, ça aussi, c'est une arme qui a été oubliée. Et c'est une arme que j'aurais tellement voulu revoir, vraiment. Enfin bref, donc, si selon vous, vous voulez absolument avoir la Galil, bah écoutez, essayez de l'avoir, mais si vous êtes là en mode, est-ce que c'est une arme intéressante à essayer d'obtenir, etc., etc., par exemple, il te manque juste un fusil d'assaut et t'as envie de payer, je sais pas, parce qu'il te manque également des SMG et tout, etc., et t'as envie de mettre des code points, ne le fais pas. Franchement, je te dis tout de suite, ne le fais pas parce que ça en vaut vraiment pas la peine. Jouez avec la HVK. La HVK vaut clairement le coup. Tu vois, par exemple, j'avais fait également d'autres vidéos hein, où je compare, etc., où je reste neutre, etc., etc. Contrairement à d'autres armes qui en vaut la peine, on va dire, en l'occurrence, par exemple, la M16, pour moi, qui en vaut la peine. Mais vraiment, la Galil, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et l'HVK justement, moi qui ai pu enchaîner avec l'HVK, j'ai pu claquer des doubles nucléaires solo avec, etc. La Galil, quand j'ai joué avec, et ben franchement, c'est très très compliqué de jouer avec au niveau du shoot, comment savoir se déplacer avec. Limite, en fait, quand vous jouez avec une Galil, contrairement avec une HVK, c'est vraiment limite type fusil d'assaut. C'est vraiment type fusil d'assaut. Quand tu joues avec une Galil, t'as pas l'impression que c'est type fusil d'assaut. T'as vraiment l'impression de jouer avec une mitraillette. Et c'est ça qui est ultra chelou avec cette arme-là. C'est que tu dis que c'est une arme famous, hein, bah, une arme famous de Call of Duty Black Ops 1. Je pense que c'est une des armes les plus appréciées de Call of Duty Black Ops 1. Et t'arrives et on te donne ça, t'es là sur Black Ops 3, tu dis « Non mais mec, t'es sérieux, t'as saccagé cette arme, t'as osé saccager cette arme. » Et donc ça fait toujours extrêmement bizarre quand t'as un style de jeu basé sur l'AR, surtout avec cette arme-là. Et tu te dis, bon, bah, écoute, va falloir faire avec, hein. Va falloir faire avec. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo, débat, etc., concernant les armes, vous font plaisir. Et puis, évidemment, peut-être en faire de nouveau sur Call of Duty Infinite Warfare ou sur Call of Duty Black Ops 3 avec des armes DLC, des armes de base qu'on peut avoir, en l'occurrence par exemple la KN44, la Galil et tout, etc. C'est des armes qui sont bien différentes, mais qui donnent envie, qui donne envie de peut-être à des personnes de se dire « Ah, moi, j'ai pas telle ou telle arme, je sais pas comment elle est, etc. » Tiens, j'ai regardé un YouTuber qui a joué avec, etc., qui a une certaine expérience et tout avec cette arme-là, et se dire « Ah, peut-être j'ai mettre des pro points, des code points, excusez-moi, peut-être que je vais pas en mettre, etc., etc. » Ça dépend de la vie. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de déposer le petit like si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et bien évidemment, de partager la vidéo partout, hein, tant que ça soit sur Twitter, Facebook, partout. Enfin bref les gens, ciao ciao.